Salut à tous, c'est David pour un nouvel épisode de Gimmick, notre série vidéo où on analyse et on décortique les looks des hommes les mieux habillés. Et pour cette première vidéo de 2021, on va s'intéresser au style soft tailoring. Nicolo a écrit un très bon article sur le style soft tailoring, il pose bien les bases. Je vais vous le mettre en lien quelque part dans un coin. Donc de mon côté, je dirais que c'est un style qui fait partie de la famille du casual chic. Donc c'est ce style où on mélange des vêtements habillés et des vêtements plus décontractés. Mais ce qui va vraiment le différencier, c'est cette idée donc du coup de soft, qui implique plusieurs choses, notamment le fait que les constructions aux épaules des vestes et des manteaux soient plutôt souples, le fait que les matières soient plutôt fluides et plutôt douces, et aussi, en termes de coupe, vous allez trouver dans ce style-là un petit peu d'ampleur pour que les matières puissent un peu bouger autour du porteur, un petit peu comme la chemise que je porte là, voilà, qui a une coupe un petit peu droite. Si ce que je viens de vous dire, ça vous paraît un petit peu flou ou si c'est pas tout à fait clair, c'est pas très grave. On va regarder les looks ensemble et vous allez mieux comprendre ça. C'est parti! Première tenue, qui je trouve représente plutôt bien ce style soft tailoring, donc à la fois un peu élégant, mais aussi très relax, très décontracté, on se prend pas trop la tête quoi. Avant de parler de style, j'ai envie de m'attarder un tout petit peu sur les couleurs, qui sont très harmonieuses ici je trouve. Donc on a quatre couleurs qui sont bien distinctes, qui contrastent bien entre elles. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a écru, donc plutôt une couleur crème d'ailleurs, et du marron. Donc voilà, les couleurs sont bien choisies, elles se répondent bien entre elles, c'est bien harmonieux, c'est des belles matières, et ça je trouve que c'est réussi. Ensuite, pour aller sur l'analyse de la tenue, on voit qu'il y a des influences plutôt tailleur quand même, mais à chaque fois c'est plutôt adouci, c'est plutôt décontracté, donc on va y aller pièce par pièce. On va commencer par le manteau, donc c'est un manteau bleu en laine, très bien, mais on voit qu'il a des manches raglan, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couture à l'épaule, qu'il a une coupe un petit peu ample, et ça lui donne vraiment, ça le distingue vraiment du par-dessus classique, un peu plus cintré et un peu plus structuré. Et si on s'approche de la matière, donc j'essaierai de vous mettre un zoom, on voit que c'est une laine bouillie, en fait, ça ressemble à une laine bouillie, c'est une laine qui est assez visuelle, qui s'éloigne encore une fois d'une laine un peu plus lisse qu'on peut trouver sur un manteau. Donc ensuite, il y a le col roulé, alors le col roulé, c'est aussi un exemple très intéressant, parce que c'est quand même un petit peu habillé, le col roulé c'est plutôt chic comme pièce, mais ça reste quand même plus décontracté que une chemise, un blazer et éventuellement une cravate. Donc ici le col roulé il est bien, il est de saison, il est bien amené. Donc on peut noter en fait que le col roulé il est porté dans le pantalon, donc c'est aussi pour lui donner un côté un peu plus habillé, comme quand on rentre une chemise dans un pantalon en fait. Et ce pantalon, parlons-en, c'est un pantalon couleur crème, donc il tend un peu vers le jaune, c'est un blanc jaune, il est plutôt taille haute. Il n'est pas très souple dans. Il n'est pas spécialement souple dans sa construction. Par contre, sa couleur claire fait qu'il le distingue bien du tailoring plus classique, où on trouvera plutôt un pantalon sombre. Et donc là, ici, il illumine bien la tenue et il me semble tout à fait à propos. Et donc enfin, on peut parler des chaussures qui, je trouve, sont intéressantes. Donc ce sont des Chukka Boots. Donc c'est plutôt des souliers. Si vous voulez acheter des Chukka, vous allez plutôt aller chez une marque chausseur. Par contre, on voit bien que c'est beaucoup plus décontracté qu'une paire de Richelieu noir, marron, en cuir lisse. Il y a la forme de la Chukka évidemment, puis il y a aussi l'utilisation du cuir suédé qui est par nature plus décontracté que le cuir lisse. Je trouve que voilà, la tenue est harmonieuse, il y a un peu de volume, il y a des matières, il y a des belles matières. Et si vous aimez ça, n'hésitez pas à aller voir l'Instagram de ce monsieur, il y a d'autres looks dans ce style-là. J'ai pris celui-ci, mais j'aurais pu en prendre tout à fait un autre. Look suivant. Alors que la première tenue se basait plutôt sur un contraste de couleurs, sur cette seconde, c'est plutôt un camailleux, donc c'est-à-dire que les pièces sont dans un univers chromatique assez proche. Donc on a du marron, on a du kaki, on a du vert olive et on a du bordeaux. Et donc la personne qu'on voit ici, c'est Steve Calder, le fondateur de la marque australienne Informale. Ce qui est intéressant sur Steve, c'est qu'avant, il avait une marque de sur mesure, donc il faisait des costumes, voilà, c'était un peu plus sérieux quoi. Et maintenant, avec cette marque de prêt-à-porter, c'est une vision du tailoring qui est beaucoup plus relax, tranquille. Et je dis ça parce que les trois pièces principales qu'il porte sont de sa marque et on va regarder ça ensemble. La première pièce qu'on remarque dans cette tenue, je trouve que c'est le pantalon, qui d'un côté a des détails plutôt tailleurs, comme le fait qu'il ait deux pinces sur chaque jambe, le fait qu'il ait une taille plutôt haute et qu'il ait une coupe plutôt droite, donc un tombé plutôt net. Mais de l'autre, il a aussi des détails qui sont très décontractés et le plus flagrant,
c'est le cordon qu'on trouve à la taille pour le fermer, qui est directement inspiré des jog pants, des jogging, donc plutôt du sport. Ensuite, on peut regarder la chemise qu'il porte. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un polo chemise. Donc en fait, c'est une matière de polo, donc c'est un coton piqué un peu stretch comme ça, mais avec un col de chemise avec cette gorge donc qui s'arrête jusque là, donc c'est-à-dire que c'est pas boutonné jusqu'en bas. Et le polo chemise, en fait, il a la particularité d'être très souple parce que c'est un tricot, donc c'est-à-dire qu'on peut bouger vraiment comme ça, on est confortable. Et je trouve que c'est une pièce qui caractérise très bien ce qu'est le soft tailoring. C'est-à-dire qu'on prend une chemise, donc un vêtement plutôt statutaire, habillé, etc. Puis on décontracte, on met une matière tranquille, confortable, un peu douce. Donc ensuite, on a cette veste qu'il porte de couleur kaki avec les deux poches poitrine qui est inspirée d'une veste de travail française des années 1950. Donc c'est plutôt workwear. Mais en fait, si on regarde la matière d'un peu plus près, il s'agit d'une moleskine. Donc c'est une matière légèrement grattée en surface, un petit peu dufteuse, un peu comme une flanelle. D'ailleurs, cette veste est aussi plutôt souple. Donc d'une certaine manière, elle remplace un peu un blazer au niveau de la forme, au niveau de l'apparence générale, mais quand même en plus décontracté. Et elle s'en sert très très bien, donc avec le marron et avec le vert olive, super bien. Et donc on peut finir par les chaussures. Donc ici, il porte des mocassins à pampilles Bordeaux. Donc ce sont des mocassins de la marque Alden en Cordovan. Je trouve intéressant qu'il ait mis ces chaussures-là et cette couleur-là, surtout, parce que, vu la palette de couleurs, il aurait pu aller sur un marron, et ça aurait marché très bien. Mais le fait d'avoir un Bordeaux, ça amène un côté un peu plus chic qui, je trouve, marche très bien dans cette tenue. Donc voilà, j'aime beaucoup ce look de Steve que je trouve très réussi, notamment les couleurs, les volumes, les matières. Je trouve que ça marche super bien. D'ailleurs, le slogan de sa marque, c'est Sartorial Casual Wear. Donc voilà, ça veut tout dire. Et maintenant, on va passer au troisième look. Donc avec ce troisième look, on est un petit peu dans la continuité du précédent parce qu'on retrouve en fait la polo chemise qui est blanche ici et elle est accompagnée d'une veste en maille. Voilà, la veste en maille, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est un vêtement qui a la forme d'un blazer, donc il y a des boutons, il y a un revers tailleur, donc là, qu'on peut voir sur la photo, mais c'est un tricot, comme un pull, donc c'est littéralement un pull avec une forme de blazer, et quand on parle de soft tailoring, la polo chemise, elle rentre bien dedans, et la veste en maille, elle rentre bien dedans aussi, parce que bah, vous conservez un peu l'allure, l'élégance du blazer, mais vous avez vraiment la décontraction, le confort et la souplesse d'avoir une maille. Et donc cette veste en maille, donc elle est en laine, elle a une belle couleur grège, donc c'est un gris beige assez harmonieux, et elle est accompagnée en bas d'un jean blanc. Alors le jean brut, un peu épais, un peu rigide, c'est pas vraiment un vêtement soft tailoring, justement parce que bah, c'est un peu rigide et un peu épais. Mais sur un jean de couleur blanche, avec un poids un petit peu moins élevé, bah, ça apporte un petit peu de lumière, bah, comme on l'a vu sur le premier look, même si c'était pas un jean, c'était un pantalon clair. Ça apporte de la luminosité et ça apporte un flair un petit peu italien, décontraction à l'italienne. Et donc ici, ça marche plutôt bien, je trouve. Et donc pour les chaussures, il porte des mocassins comme le look précédent, sauf qu'ici, c'est pas pareil, c'est des mocassins type penny loafer, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas les petites pampilles. Et c'est du cuir suédé qui, vous pouvez le retenir dès maintenant, qui est tout à fait adapté pour les styles soft tailoring. Et donc voilà, on est sur une tenue qui est typiquement soft tailoring, notamment avec la polo chemise et la veste en maille, qui sont deux vêtements qui représentent très bien ce style, donc avec de la souplesse, avec du confort, avec de la chaleur aussi, mais un petit peu d'élégance malgré tout. Et désormais, on va regarder ensemble la quatrième tenue. Quatrième silhouette, issue du lookbook de la marque italienne Massimo Alba. Il y a deux choses qui me viennent spontanément à l'esprit quand je vois ce look. C'est les coupes, d'abord, qui offrent de l'aisance, mais sans être démesurément larges. Et aussi les matières qui ont l'air douces, chaudes et chaleureuses. Donc on trouve du velours côtelé sur le pantalon, on trouve de la laine sur le pull et sur le manteau, et on trouve encore du cuir suédé sur les chaussures. La pièce principale de cette tenue, je pense qu'on le voit bien, c'est ce manteau qui est assez majestueux, ce manteau qui a une couture à l'épaule, donc il n'est pas raglan, mais qui est quand même fluide, qui est plutôt long, qui arrive jusqu'au genou, et qui a ce beau motif, donc c'est même un mélange de motifs, donc il y a un carreau Prince de Galles qu'on voit bien, et dans le carreau, il y a un petit motif pied de poule, donc voilà, c'est une matière qui est très riche, qui est très visuelle, donc c'est un par-dessus en laine, donc encore une fois, c'est plutôt habillé, mais par la couleur, par la coupe et par ce motif, on le sort un petit peu du tailoring très classique, bleu marine, gris anthracite, etc. Et donc ce manteau, il est associé avec un pull col rond violet. Alors je sais pas si vous le voyez bien sur la photo, mais ce pull est bien violet.
Alors le violet, c'est pas une couleur facile à porter du tout, je trouve. Après, sur un pull, ça me semble être... Et sur des chaussettes aussi peut-être, sur un pull et sur des chaussettes, ça me semble être le bon endroit pour le mettre si on veut porter du violet. Et en plus, on peut noter ici que c'est un violet assez sombre, donc du coup qui ne choque pas trop l'œil, qui ne ressort pas trop. C'est pas un violet très premier degré. Et donc on peut attaquer bas avec ce joli pantalon. Donc, ce joli pantalon en velours côtelé, comme je le disais un petit peu plus tôt, marron. Et qui on peut voir qu'il y a une petite pince à l'avant de chaque jambe, ce qui encore une fois amène un style un peu plus... tailoring, tailleur, les pantalons en pince, c'est des pantalons un peu plus habillés souvent. Et en bas, bon bah il y a encore des mocassins en cuir suédé. Encore, ça fait 3 fois sur 4. Dans mes recherches, j'ai vu beaucoup de. Bah, j'ai vu beaucoup les mocassins sur ce type de silhouette. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Donc si vous voulez aller sur ce type de silhouette, et si vous n'aimez pas les mocassins, donc vous pouvez mettre des derbies en cuir suédé, des derbies, des chukka boots ou des desert boots, donc un peu plus proche du premier look, ou même des sneakers en cuir suédé, là dans des tons sable, marron, beige, franchement ce sera très bien aussi. Voici donc encore une bonne tenue soft tailoring, donc avec ce qu'il faut d'élégance, avec un manteau en laine, avec un beau pantalon à pince en velours, et aussi donc de la décontraction, mais de la décontraction souple avec les matières, avec les coupes, et... On va désormais passer à la cinquième tenue. Donc pour cette dernière tenue, je voulais vous montrer quelque chose qui choque un petit peu plus l'œil, quelque chose de plus original, de plus clivant aussi. Donc on va de suite mettre de côté ce qui ne va pas faire débat, c'est-à-dire qu'on a un costume bleu chiné, donc on ne voit pas forcément trop parce qu'il est sombre, mais c'est un costume chiné, donc il y a un petit peu d'aspérité. D'ailleurs, c'est un costume qui n'est pas spécialement soft parce que l'épaule, elle est plutôt structurée. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est les autres pièces en fait, qui sont associées avec ce costume bleu. On a d'abord cette improbable association entre des chaussettes blanches et des sandales. Je pense pas qu'il faille faire une comparaison directe avec le claqué de chaussettes. Ça me semble pas être tout à fait ça l'esprit. Mais plutôt un dérivé du combo entre les chaussettes blanches et les mocassins. Donc c'est un combo qu'on voit pas mal au niveau des tenues même. Plus habillé, donc bah, avec un costume comme ici. Simplement, donc les mocassins ont été remplacés par des sandales. Donc ici, ce sont des sandales en cuir qui me rappellent un peu ce que peut faire Paraboot, par exemple, au niveau de la forme. Donc ce sont des sandales plutôt fermées qui ne montrent pas trop le pied. Mais évidemment, comme les chaussettes sont blanches, bah ça se voit. Et bien sûr, c'est clivant et bien sûr qu'il y a des gens qui vont pas aimer. Mais je trouvais intéressant de voilà, montrer quelque chose de plus original et qui, je trouve... rentre encore dans ce concept de soft tailoring, mais avec dans une forme beaucoup plus originale. Et donc l'autre pièce qui interpelle un peu, peut-être un petit peu moins, mais un peu quand même, c'est ce polo boutonné rayé, avec le col qui est posé voilà, par-dessus le revers de la veste. Alors j'ai regardé du coup, et c'est un vêtement qui est inspiré par le film Le Talentueux Monsieur Ripley, qui date de 1999, alors film que je n'ai pas vu, avec Jude Law, qui porte un vêtement très similaire à celui-ci. Et en fait, ce polo ici, il remplace habilement bah, une chemise en fait, c'est ça. Donc avec il y a un col, c'est blanc et bleu, ça se substitue avec une chemise, mais avec un design beaucoup plus original et qu'on ne voit pas partout. Donc voilà, je trouve que c'est une tenue qui est audacieuse, pas forcément accessible à tout le monde, mais plutôt réussie. Donc ce costume a bien été décontracté, et il a été décontracté avec des vêtements plutôt été. Donc voilà, il y a un polo à porter au bord de plage et des sandales en cuir, mais un petit peu élégant malgré tout. Donc pour moi, on est encore voilà, dans ce dont on parle, donc le soft tailoring. Donc pour terminer, avec les looks qu'on a vus, je peux vous donner peut-être 3 enseignements à retenir pour bien réussir à construire des tenues de type soft tailoring. Tout d'abord, je pense que les matières sont assez importantes. Il ne faut pas hésiter à aller sur des matières un petit peu visuelles, moelleuses, douces. Donc je pense notamment au velours côtelé, à la laine bouillie. Je pense aussi à la flanelle ou au cuir suédé sur les chaussures. Vraiment, aller sur du suédé, il n'y a pas de souci. Au niveau des pièces iconiques et qui caractérisent très bien le style soft tailoring, il y en a plutôt en haut, je trouve. On peut notamment évoquer la polo chemise qu'on a vue à 2 reprises, le col roulé, le manteau à manches raglan, qui peut être un manteau d'hiver en laine ou plutôt demi-saison en coton ou en matière technique, la veste en maille qu'on a vu aussi, ou son pendant, la veste déstructurée. Et en bas, je pense notamment au jogpant qu'on a vu, mais
On peut aussi parler du pantalon peut-être en velours, qui je trouve rentre bien dans cette esthétique aussi. Et mon dernier conseil pour vous, ce sera que si vous appréciez cette esthétique, si vous avez envie d'explorer le style soft tailoring, vous n'avez pas forcément besoin de faire le total look comme on a pu le voir sur la tenue Massimo Alba par exemple, la tenue 4, mais que si vous avez ne serait-ce que deux pièces qui rentrent dans cette esthétique, bah vous y approchez déjà et c'est déjà un bon premier pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié et si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé des tenues, et notamment de ce combo chaussettes-sandales. Voilà, j'ai hâte de lire vos réactions et je vous dis à la prochaine. Salut !